Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Stardew, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 sur Gamsting, c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien, on est sur Gamsting avec une nouvelle personne, il s'appelle le frère Breton, salut à toi. Salut à toi. Donc nouvelle salut personne qui a été salut à tous, voilà. Donc nouvelle personne qui a été recrutée par que j'ai recruté tout simplement. Donc du coup je pense qu'il va tourner Gamsting avec nous, peut-être d'autres vidéos ensemble, voilà. Du coup donc dans cet épisode on va faut aller moissonner un petit champ de blé qui est là-bas. Voilà, il y a un petit champ de blé à moissonner là-bas. Et j'avais dit de vider les copeaux, donc je vais te montrer où c'est les copeaux, même si tu sais déjà où c'est, mais voilà. Parce qu'en fait, il nous manque des bâtiments. Enfin, je vais pas tout laisser dehors parce qu'il n'y a plus de place. Du coup, on va vider les copeaux qui sont ici. Comme ça fera un petit peu de place pour ranger les véhicules. Donc, du coup, tu peux aller prendre le Merlot qui est en bas de la ferme. Ouais, je vais chercher. Ouais. Moi, je vais aller prendre le Renault. Je pense que le Renault pour mettre les copeaux dedans, ça suffit. Par contre, je crois qu'il y a du fumier dedans. Donc du coup je vais vider le fumier au fumier en bas. Allez go, on y va. Donc je vais vider le fumier. Attendez, juste hop. Allez doucement. Ça fera déjà pas mal de place là, pour ranger les véhicules. Donc ça va. Attends, fais gaffe de pas me lancer dedans. Par contre, c'est vrai que le Renault il roule doucement. Je pense que je vais prendre un autre acteur parce que le Renault il roule pas assez vite. Attends, la fumière elle est là-bas. Je vais vider dedans. Je vais essayer de faire comme ça. Hop. On va ouvrir cette petite vitre. J'espère que je recule bien. Hop. Fais gaffe à la barre. Ouais, je pensais avoir bien pris. Mais... Ah, c'est cool. Moi je monte au coco. Hein. Ouais, vas-y. Je n'y vois rien, je dirais trop mais je m'en sers pratiquement pas, surtout qu'il est du mauvais côté. Attendez, il est mal mis en plus. Ouais, même pas assez mal mis. Je vais reculer comme ça, au pire c'est pas grave. Recule. Je pense que les vaches, on n'a pas besoin de s'en occuper dans cet épisode. Donc c'est bon. On va remettre l'affichage par contre. Donc là il est vide, ok, donc il n'y a pas grand chose. Est-ce que... lever la benne, changement de ridelle. On va mettre plus de ridelle. On va mettre ces ridelles là, parce que ça c'est pour l'ensilage je crois. Donc on va mettre ces ridelles là. Bénage actuel. D'accord. Aïe. Ah d'accord, ça c'est pour le. Ouvrir, fermer les portes. D'accord. En fait c'est juste pour. Alors c'est bon, t'es en place toi là-bas? Ouais, donc, moi j'ai chargé le j'ai mis les ridelles un petit peu plus hautes. J'espère que ça va aller. Je vais mettre ça ici. Hop. Voilà, essayer de vider dedans. J'espère que ça va aller. Je sais pas si on peut mettre beaucoup ou pas. Attends, c'est Alt 3, sans rallonger. Je sais pas du tout combien de godets tu peux mettre. Ah oui d'accord, ça se remplit vite, ça se remplit très vite. Oui. Ah oui d'accord, déjà là à 42%. Attends, tu sais quoi, est-ce qu'on peut mettre par contre la béquille? Non. Oups. Ah merde la béquille, comment on met la béquille? C'est V non? Ouais. Je vais mettre, je vais prendre le... merde, comment il s'appelle? Le T6. On a plus de coco. C'est bon, mais c'est pas grave, t'inquiète. J'ai vite dans la remorque. Bon, là, c'est un tas de tracteurs ici. Je vais prendre ce tracteur, ça sera beaucoup mieux, il ira plus vite. Donc ça va être mieux. Donc, alors, vite, on attache ça. Je sais pas si t'es plein. Oh, ah, si, c'est bon. J'ai tout mis. T'as tout mis, ok, nickel. Ouais. Ça va. Je le mets là, le merlot en attendant. Bon, des coups de lag, c'est qu'il y a des véhicules qui font laguer ça. C'est dommage, c'est chiant. La béquille doit être levée, donc c'est V. J'ai dit V. Oh. Non, ah, c'est bon. Ouais. Voilà. Ok, je vais. T'as qu'à prendre ce tracteur. Tu l'amènes au copeau et moi je vais prendre la moissonneuse. Ok, pas de problème. Ou le contraire. Ouais, plutôt le contraire. Comme tu veux. Vas-y, t'as qu'à prendre la moissonneuse avec la coupe à blé. Voilà, bon, je t'attends. Tu sais où c'est calé? Elle est, je crois, non? Elle est à côté, je crois. Non, c'est. Ah, bien, c'est à côté. On met les gyros. Tu vas réussir. Et c'est parce que j'ai pas encore.
Ah oui, la guérine café derrière. Ah ouais, elle est détachée. Ouais. Ok. Oh bah le temps que j'y aille, tu sais où c'est qu'il est le champ? C'est le champ 25 je Ouais, crois. 25. Ouais, moi je continue un peu plus haut, quoi. Ouais, allez go, donc c'est parti. Je vais aller vider les copeaux. En fait à la base ça devait être toi qui devais les vider, mais bon, c'est pas grave, je pense que je vais les vider, ça peut être bien. Allez go. Par contre il y a du, je pense qu'on aura du lisier, donc on va semer quelques patates, ça pourrait être cool d'avoir des patates, ça changerait de moissonner quoi. Hop, ça Ouais. passe. Nickel. Il a un peu de mal à monter, je pense que le Renault il aurait encore plus de mal. Alors par contre c'est où? Je pense qu'il faut tourner là. Wow, doucement, désolé pour le panneau, hein. Pas ma faute. Les serres, normalement tout c'est bien, nickel. C'est pas mal, elles ont poussé. Donc on va remettre la carte. C'est chaufferie biomasse, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc là faut que je tourne. Ouais, là faut que je tourne. Hop. Donc le Mais champ du moins, je il est crois que c'est juste en ça. face. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est ça. Hein. Bah Ouais, bon, on oui. verra bien si c'est pas ça, c'est pas ça. Sinon, c'est l'autre. Ouais, peut-être que. Non, c'est pas au train, non, c'est pas au train, je crois pas qu'on peut le vider. Non, y a pas de truc pour. Donc c'est pas là. Allez, go. Bon, dès que je suis à la ferme, je suis à 50 FPS, nickel, tranquille. J'ai quelques frises, mais. C'est rien. Ça, parce que je crois que c'est la fraise rouge qui fait laguer ça. Sinon, le reste, je crois que ça fait pas trop laguer. Je pense qu'on va. J'hésite à la vendre. Alors, attends, par contre, c'est où? Est-ce que c'est les. Non, d'accord, c'était pas là. Folle. Attention les amis, je fais une petite marche arrière. Je pense que. Je sais même pas si ça rapporte beaucoup les copeaux. Je sais pas. On va bien voir. Là, je crois qu'il rapporte les copeaux. Ouais, donc si c'est bien chaufferie biomasse, 1034 la tonne. Attends, là, je sais pas, là, je fais biomasse, si je suis où là? Ah si, si, je suis bien là. Alors, bah, je vais essayer de vider ici, je sais pas du tout si c'est là. Je pense que oui, hein, mais bon. Hop hop hop. Est-ce qu'on a le truc pour vider? Ouais. Donc alors, on va ouvrir les portes. La benne est pleine, on peut pas ouvrir les portes. D'accord, bon, c'est débile. La benne est pleine, on peut pas ouvrir les portes. Mais comment tu veux faire? Est-ce qu'on peut là? La benne est pleine, d'accord. Ah d'accord, oui d'accord, ça se lève quand même comme ça. Ok, donc c'est bien ça. Ta vie de l'argent monte. Par contre, on fait des andins. Non, tu peux broyer, tu broies, parce qu'on a assez de bottes de paille, donc c'est bon. Attends, du coup, Allez. quand il y a écrit activer la coupe d'andins. Non, donc c'est bon là. Mais normalement c'est bon, nickel. Bon bah c'est bon, j'ai vidé les copeaux du coup. Par contre moi je vais me sortir d'ici. J'aimerais juste. Il y a pas de glisse extracteur, c'est pas grave. Hop. Ouais, faudrait que je vende les trucs qui me font laguer parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Est-ce que ça passe? Oui, nickel, et ça passe. Allez go. On repart les amis. Bah tu sais quoi, dès que t'arrives au champ, t'as qu'à prendre le Ah bah moi tracteur. j'ai déjà commencé. Hein. D'accord, ok, bah commence. Je te laisse le tracteur quand je passe devant le Ouais. champ et comme ça tu le ramènes. Ok. Et on vend ou on stocke? Le grain. Non, non, on vend. Stocker, je pense pas que ça sert à grand chose. Donc. Parce que je voulais m'acheter des poules, mais les poules c'est juste du maïs qu'il faut. Je sais plus si c'est maïs ou blé. Non, c'est maïs. Je crois que c'est maïs. Mais... De toute façon, on a quand même un petit stock de maïs, donc on va mettre les girons. Du coup, attends, mais je vais t'amener le tracteur au champ. Stop, c'est pas grave, on passe quand même. T'es où? Tu dois être là-haut. Ouais, t'es là-haut. Au pire, c'est quoi maintenant la remorque? Ça va faire une remorque pour vider. Ouais. Je vais laisser ici. Hop, voilà. Du coup j'y pense, qu'est-ce que je vais devoir faire? Bah, je vais vendre cette fraise parce qu'elle me fait laguer, je suis sûr que c'est ça qui me fait laguer. Oh peut-être ça qui me fait laguer aussi. Je sais pas. Hop. Vendre. Voilà. Du coup, ce tracteur, on va le ranger. Ah non, faut semer des patates. Est-ce qu'on a un semeur à patates? Non, on n'a pas de semeur à patates. Du coup. Est-ce que j'en aurais un en mode machine en semée? Non, j'ai pas de semoir à patates. Ça sème pas les patates. Donc on va s'acheter un petit semoir. Celui-là, je pense pas acheter un énorme. Maintenant, il n'y a que celui-là, donc. Attendez. Je prends lequel? Celui 3 mètres ou celui de plutôt 6 mètres? Ouais, 6 mètres, ça va être mieux, parce que sinon, on n'en a pas trop longtemps. Allez, go. Donc, allez, hop, acheter.
Ouais. Je vais. Vu que j'ai la flemme de réinitialiser. Attends, mais non, mais j'ai des coups de lag. Qu'est-ce que c'est qui me fait laguer? Est-ce que ça ne serait pas ça là-bas? Par mesure de précaution, on va les vendre parce que. Parce que ça fait laguer. Ça, on n'en a pas besoin. Ou peut-être que ça. Ouais, ça, je le passerai quand. Au lieu de déchaumer, je passerai l'as rotative, peut-être. Ou pas. Non. Vendre. Je vends et ça aussi je vends. J'espère que je vais récupérer des FPS. Parce que sinon c'est assez chiant. Donc allez c'est parti, on va. Ok, donc alors je me suis rendu compte que cette grosse machine ne passait pas pour sortir de la ferme. Du coup je vais acheter celle-là. Je suis vraiment obligé d'acheter celle-là. Du coup je me suis retrouvé coincé, bloqué ici. Donc alors ben, du coup je vais la réinitialiser vu que j'ai la flemme d'aller la chercher. Vous me connaissez. Hop, on va l'atteler. Du coup, peut-être que j'avais pas besoin d'avoir un tracteur si gros, mais bon, c'est pas grave. Du coup, t'as mis où du champ là? Moi je là je suis en train de vider. T'es en train de vider, ok. Bah, si tu me dis quand la remorque est pleine, ça. J'irai vider. Allez. Oula, par contre t'as glissé en arrière. C'est Dans quoi? la côte. J'arrive. T'es où? T'es où? T'es où? D'accord, t'es là. Ah oui, elle glisse la motionnette. Elle a pas de frein. Ok, ça va, ça remplit pas si vite que ça en fait. Ça va, ça va. Petit screen peut-être. On verra bien si je sais même pas ce que je vais mettre en miniature de vidéo. Ah, bah du coup, aussi, elle est pleine. Je pense qu'elle va être pleine. Ouais. Bon, si je vais aller la vider alors. Hop, Hop. allez, go. Par contre, on sait que je la vide. Je vais la vider là-bas. Ok les amis, donc le fermier breton a dû partir parce qu'il bah, il a dû aller manger, de faire quelque chose, donc voilà. Du coup, bah, je vais continuer tout seul mon petit travail. Donc du coup, on va aller vider la benne. Je pense que l'épisode va pas durer si longtemps que ça. Je vais aller vider la benne et faire 2-3 trucs, après on va s'arrêter là. La benne, on sait qu'on va la vider par contre. Je crois qu'on va la vider. Je sais plus où c'est qu'on va la vider. Là-bas, on va la vider. Ok. Bon, allez, go. J'y vais, j'y vais. Va falloir vraiment que je trouve pourquoi je lag. Je sais pas si c'est mon logiciel ou si c'est un mode. Donc va falloir que je regarde. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit like à la vidéo si c'est pas encore fait. Hein. Parce que comme ça m'encourage. Dès que je vois, franchement, cette série elle fait pas mal de vues et ça me fait super plaisir. C'est pour ça que j'adore continuer de tourner. Voilà. Tout simplement. Et plein de commentaires et tout, genre continue, c'est bien, continue tout ça me fait super plaisir. Voilà. Alors, donc du coup, où est ce truc? Là où c'est qu'on va vider? Ce serait fin, franchement, ce tracteur, je l'aime bien. Il n'est pas si nul que ça. Je crois que c'est là-bas. Je suis pas sûr. Hein. J'espère que c'est là, sinon je suis dans le caca. Je dois tout recommencer. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Si, c'est là. Okay. Ouais, j'ai des coups de lag. Je sais même pas si c'est frappe ou. C'est assez chiant. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Là, je suis à 45 FPS, ça va. Et que. Ah, voilà, je suis à 60. Ça dépend des moments. Du coup, ouais, donc on arrive. Je sais même pas si c'est là. Je sais pas pour le bon. Ah, il y a un petit champ sympa. Ah, il y a un petit champ sympa ici. Ça pourrait être cool. On tourne là. Ah, mais si, d'accord, si, je crois que c'est là en fait. J'étais déjà venu pour le premier épisode, je crois. Ouais, c'est bien ici. Ok. Allez hop, on vide. Sélectionner la benne. Ah, mais c'est bon. Voilà, nickel. Est-ce que l'argent monte? Ouais, l'argent monte. Nickel. Nickel, nickel. Par contre, là, le truc qui s'affiche, là, sélectionner la benne à vider, c'est bon, on est déjà sélectionné. Ok. Ah, d'accord. Regardez comment les textures elles descendent bizarrement en fait. Carrément à la verticale. Enfin, à l'horizontale pratiquement. Hop, voilà, nickel. Par contre, c'est vrai que ce message s'enlève. Oui, s'il te plaît. Oh, mais ça enlève toi. D'accord, peut-être qu'il faut attendre que la remorque se redescende. Oups. Ce n'est pas du tout réaliste. Je sais pas si ça va s'enlever. Enlève-toi. Merde, ça n'enlève pas. Oups. Ok, les amis, c'est bon. J'ai résolu le problème. J'ai dû redémarrer la partie. C'est juste un petit bug. Il voulait pas se. Wow, il voulait pas se détacher. Juste ça. Enfin, il voulait pas se rattacher tout simplement.
Donc alors on revient à la ferme les amis et je sais pas, attendez, on va revenir. Je sais pas du tout c'est qu'il en était du champ de blé. Ouais, je sais pas du tout c'est qu'il en était. Je continuerai de moissonner le champ dans l'épisode suivant ou pour l'épisode suivant le champ sera fait. Ouais. Alors ouais. Du coup là donc je ramène la benne, je la ramène au champ. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je pense qu'on va s'arrêter là les amis. Parce que tout seul je pense que ouais. Ça sera un petit peu plus court que d'habitude, c'est pas grave. Ça changera des épisodes de 20-30 minutes. Je pense qu'il fera que 15 minutes. Et encore, je me demande. Et encore, peut-être qu'il fera. Je ne sais pas. On va voir. Je verrai bien au montage quand le temps est dur. Franchement, il roule pas mal le tracteur. Il roule. Ouais, 51, ça va, ça avance. Ah, faudra déchaumer ce champ. Ok, donc pour l'épisode suivant, on aura pas mal de choses à faire. Bon, c'est vrai que c'est désolé qu'il a, excusez-moi, qu'il a dû partir. C'est pas de sa faute. C'est pas grave. C'est pas du tout de sa faute. Après, faut vraiment que je trouve pourquoi j'ai des lags. Ça m'énerve. Je sais pas si c'est. Ouais. Je pense qu'il faut que j'aille dans les fichiers du jeu. Ouais, c'est, donc là, c'est vraiment des lags. Ouais. Et quand je filme pas, j'ai pas de lag. Donc peut-être que c'est logiciel. C'est bien possible. Je suis encore le seul à filmer avec Fraps. Ouais. Attends, mais je sais pas si c'est pas la bonne route. Si, si, c'est bien ça. Donc je ramène ça au champ. Les ridelles, par contre, c'est qu'elles touchent. Ridelles. B. Ça, c'est pour l'ensilage. Je crois que ça passe pas. Ouais. Ça, hop, on laisse le tracteur ici. Je vais le laisser sur le côté. Je sais pas s'il faut que je vide la trémie. Je vais voir combien il y a de pourcents dedans. Ouais, 1500 litres. On va vider tout ça. Allez. Hop. Ok. Évite de vider dans les arbres par contre. Voilà, c'est bon, c'est fini. Ça, c'était court. Du coup, on ramène la petite buse. Mes FPS descendent. C'est bizarre. Voilà, nickel les amis. Donc du coup, dans l'épisode suivant, je vais... Ouais, donc en hors vidéo, je vais ranger tous les véhicules dans ce bâtiment. Et on déchaumera le champ... On déchaumera... Attendez, je vais vous montrer. Vite. On déchaumera le champ 10. Et on finira de moissonner le champ 25. Et j'irai semer des patates au champ 23, normalement. Voilà. Et on verra si on a besoin de s'occuper qu'elle des vaches. On verra tout ça. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Désolé que le fermier breton a dû partir. C'est pas de sa faute, c'est comme ça, c'est pas grave. Au moins, je continue un petit peu tout seul. Voilà, ça m'a changé d'habitude. Je vous dis à la prochaine, c'était Starview. Et le fermier breton qui était là juste un peu avant. Voilà. Je vous dis à la prochaine, allez. Ciao tout le monde.